mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On est là. On sait pourquoi on est là. Alors, il s'avère qu'avec... il s'avère que j'ai claqué la moitié de mes cristaux rouges. Ce qui représente 78 tickets. Et que entre les achats que j'ai faits et les, tous les trucs cadeaux qu'ils nous ont offerts, parce que là, il y a 30 tickets qu'ils nous ont donnés, easy, entre les 20 à la connexion, plus les 10 du coup que j'ai récupéré déjà dans le shop. On a de quoi aller chercher déjà, on va tirer une carte. On va faire les tirages par 10. On veut de la chance. Alors moi, je suis là pour Raph en premier lieu. Idéalement, j'ai aussi, pourquoi pas, la carte de Sylus. Dans un monde très très idéal, on a les 4 en un tirage et hop, comme ça c'est fait. Non, faut être trop greedy now. Mais surtout Raph, voilà, surtout Raph de mon côté déjà. Est-ce que je pourrais avoir de la chance, s'il vous plaît? Parce que ces derniers temps, je vais vraiment en piti-piti de la piti. J'aimerais bien avoir un peu de chat. Merci à tous. Surtout, j'ai vu tout le monde avoir de la chat ou presque, alors... La musique est chouette, il faut que j'aille la prendre dans la boutique. Même si Mistin Vision était quand même un peu... là. Ça donne le ton de la soirée, ça... Oh, le ton n'est pas... Par la force, peut-être qu'il faut que j'amène un raisin pour faire une invocation magique. Vous pouvez me donner toutes les 4 étoiles que vous voulez, c'est pas ça que je veux. Raph, s'il te plaît, viens à la maison, je t'en conjure. Sans pitié, merde. Et mais vraiment, moi je pitise. Ces derniers temps, je suis de la pitié. Ah. Non, j'en ai marre d'être de la pitié. Je veux juste être de la chatte. La chatte. Non, hein, toujours pas. Hein. LOL. Ouais, je peux prendre des récompenses cosmétiques. Ah. Pity is coming. J'ai mal à mes cristaux quand même. Bon, on est encore sur les tickets de la bannière Isoké. Merci beaucoup, Caro. J'ai atteint le level up niveau 13. Je croise les doigts pour toi. Allez là. Allez là, voilà. Allez là. Allez là. Aïe. Non. Non, mais tu m'aimes pas ou quoi, Raph? Je les ai tous passés. Bon, ben... Hé, 5 tickets offerts! Ah mais oui, mais j'avais pas pensé à cela. Nice. Une carte en or? Mais non! Sans deck! Putain, j'avais pas vu venir celle-là. Hein. Oh, bon, je suis contente quand même! Ok, Sylus, bah, c'est mon préféré à partir de maintenant. Ok. Oui, bon, c'est... C'est mieux que rien déjà. Sylus Bibou! Sylus Bibou, mais bon, Rai, Raph, on est sûr, dans 64 tirages, c'est lui. Et on y va, on va le chercher parce qu'on est là pour bouffer du raisin. On est là pour manger le raisin. Raph, viens, là, maintenant! Non, il m'énerve. Hein. Mes cristaux qui fondent! Ah, attends! Je prends la tenue pour Raph ou pour Sylus? Je réfléchis après.
Là, je suis sûre que la prochaine 5 étoiles, c'est lui. Donc j'ai beaucoup moins de suspense, j'avoue. Tu parles d'un signe. Au moins, on a une carte de la bannière limitée. Sinon, ça aurait été chaud, j'avoue. C'est juste une deuxième pitié, quoi. Le jeu, j'ai géré avec tout le monde sauf avec moi, je crois. Oh, je suis désespérée, je vois mes cristaux qui disparaissent. Tu as changé tes préférences. Pourquoi? Pour drop la carte du premier coup. J'ai pas cette option dans mon jeu, j'avoue. Merci à Zalwing pour le sub, pour me permettre de financer les hard pity là. Attendez, on a des tickets. Attends, mais... Ouais, je vais pouvoir aller chercher les deux tenues à ce stade, hein. Ah non, j'ai pas changé. C'est pas grave. Parce que là, je suis sûre d'avoir Raph. Là, ma prochaine 5 étoiles, je changerai après. Oui, bah oui, Bibou, je savais que c'était toi. Il y avait zéro suspense. Le raisin. Ta-da-da-da-da-da-da. C'est bon. Ah oh ouais, tu peux monter l'infinité, oui, c'est le minimum. La chance purée. Mais y a pas de chance là. Je viens de me taper deux pitis. Y'a zéro chance. Y'a juste mon precise wits. D'ailleurs. La chance de la thune, ouais. J'irai pas chercher les autres, je pense. Il manque combien de cartes pour avoir l'autre tenue? 5? Je... 5 cartes pour avoir le... Pour avoir une tenue cosmétique, on s'en fout. Ah ouais, si quand même, parce que la... Après, la tenue de Raph, elle ressemble quand même pas mal à celle de God of the Sea. C'est pour la tenue. Comme ça, c'est pour la tenue des deux cartes que j'ai. En vrai. Voilà. Ils auront chacun leur tenue. Je suis faible. C'est pour les tablettes de chocolat par an. Fais voir. Ah oui, mais attends, mais il faut que j'ouvre les boîtes. Un peu dommage les tenues de Raph et Xavier. Pourquoi? Alors du coup, une comme ça. Et une comme ça, merci. Bon, en vrai, j'ai eu les deux potions que je voulais. Je ferai plus de tirage dans la bannière, hein, je pense. Les autres, on ira voir sur YouTube, comme... On va juste économiser. Est-ce que, ouais... 70 tirages encore, ouais, c'est bon. Maintenant, il faut se refaire. Voilà. Il faut se refaire d'ici la prochaine. Ah, c'est ça
que vous voulez voir, fais voir. Montre. Elles sont semblables à ce qu'on a déjà. Ouais, mais... Oui, alors oui, bon, c'est le même style, mais... Ah non, c'est... J'adore. Ah bah le mini-jeu, il est trop bien par contre, c'est clairement Suka Games. Je crois que c'est un de leurs meilleurs mini-jeux. En plus, c'est un jeu... Daroni friendly, je trouve. Contrairement au jeu de rythme qu'ils ont fait, parce que là, je pouvais poser mon téléphone au milieu et gérer l'enfant, genre. Et voilà, un tout nouveau look. Nouveau look pour une nouvelle vie, hein. J'aime trop en plus ce petit piercing et tout, là. Est-ce que je veux être plus proche? Oh, ah oui, c'est exactement ce qu'on va faire, oui. Bouge pas. Alors, pour votre information, nous allons faire la carte de Raphaël ce soir. J'ai la carte de Silus, donc on la fera, mais pas cette semaine. Semaine prochaine. Est-ce que vous allez réussir à tenir? J'espère. Parce que là, jeudi, on rejoue à Love and Space. Mais on avance le mythe de Zayn pour être à jour. Oh putain, la mise à jour qui sort. Even if you don't want to talk, we still have to eat dinner. J'ai mangé, je te remercie. Oh non, non, je vais manger, je vais manger. Ouais, allons manger, là, le raisin, ouais. Mais ouais, mais lundi prochain, c'est la main story de Zayn. On sera dessus, 100%. Combien de temps dure l'event, déjà? 15 jours. Possible que la semaine prochaine vous ayez beaucoup de créneaux Love and Space. Il est possible que la semaine prochaine, genre tous les soirs, ce soit du Love and Space. Enfin, c'est possible. C'est, ça serait pas surprenant de ma part. Voilà. C'est dit. C'est dit. Ok. Date. Du coup, moi j'ai trop hâte de voir le contexte. Raphaël et moi, on est allé au désert pour enquêter sur un truc de protocore. Et on est tombé dans un vortex temporel. Oh. Un peu comme le vortex qu'il y avait sous l'eau, alors. Dans le chapitre 7, là. Il y avait un espèce de vortex aussi. Le Deep Space Tunnel est un genre de vortex aussi. Et on se disait... qu'il y en avait d'autres. Après, normalement, là, on va avoir un peu de temps pour écho les cristaux. On n'aura plus de bannière avant la livre de Xavier. Ouais, bah, j'espère. Hein. Alors là, il va falloir que je me refasse. Pas sûr. Enfin, j'essaierai probablement... Quoi? Non, mais je rêve. Attendez. On discute après. Il vient de me lécher le bras ou quoi? Bon, ok, je suis tombée dans un vortex. Please calm down. Please calm down. Votre Altesse, calmez-vous. Mais qu'est-ce que je fous ici? Ah ouais, mais non, mais attendez, parce que si maintenant on tombe dans des vortex, c'est sans fin le lore qu'ils vont pouvoir nous faire. Mais je suis pas votre princesse. On s'était pas mis d'accord que vous me libériez une fois que je vous aurais aidé à gérer le messager? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà 3 jours. Ah, je peux pas... je peux pas me disputer avec les servants qui me suivent quand même. Je suis prête à claquer mon meilleur sprint jusqu'aux portes du palais. Avant que je ne fasse un autre pas toutefois, une épée lumineuse me bloque le chemin. Behave. Once Her Highness returns from her rendezvous with her beloved, we will release you, imposter. Hein? Quoi, mais attendez. Et vraiment, mon esprit est confusionné. Alors déjà, ici, les servantes, elles sont armées. Donc, clairement, je suis prisonnière. Attention. Une fois que son Altesse sera revenue de son rendez-vous avec son bien-aimé, nous vous relâcherons, imposteur? L'altesse de qui? Le bien-aimé de qui? J'espère pas le mien, hein, gare à vous. Et comment ça, imposteuse?
la lame froide. Tranche. Google Trad. Slice the inner turmoil. Je sais pas ce que c'est le turmoil. La tourmente intérieure de mon esprit. Seul le murmure du vent reste. Oh. Parler de la carte de Zayn là ? Je pars bien de l'event actuel, je reste une Zayn girlie. Je trouve toutes ces cartes incroyables, mais celle-ci fait un peu bouche-trou pour remplir le temps avant la prochaine main story. Elle manquait de ce qui rend la relation MC Zayn spéciale. Oh. Est-ce que c'est pas le fait que ça se passe un peu ailleurs ? Est-ce que ça joue pas, genre ? Je pense que dans toutes les histoires, on va être bloqué dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre. Et alors ? Et moi aussi, j'ai un amoureux et que je me tarde de retrouver. Your beloved ? Votre bien-aimé ? Elle me scrute avant de ranger son arme. Wait until you're done playing princess. Whether your beloved is near or far, wouldn't it be simple to bring him here? Attendez jusqu'à ce que vous ayez fini de jouer la princesse. Que votre bien-aimé soit loin ou proche. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de le faire venir ici? Je sais pas où il se trouve, moi. Dit comme ça, ça a l'air si facile. Je sais même pas s'il est quelque part en mer ou quelque part sur terre. On va peut-être avoir un flashback. Oh, waouh, des grottes avec des peintures rupestres. Tout a commencé il y a une semaine. Des rumeurs circulaient dans un désert au sujet d'un étrange fragment de protocœur qui connectait les fils d'instances spéciales. Attendez, parce que du coup, c'est quoi ? C'est genre, je suis tombée dans un vortex. C'est genre comme un protofield, mais qui est en fait un autre monde. Au début, je pensais m'y rendre seule. Mais après avoir appris au sujet de ma mission, Raphaël s'est porté volontaire pour être mon guide. Disons que celles de Xavier et Sylus sont mimi, n'ont pas de rapport avec le lore. Après, les cartes 5 étoiles, comme ça, les memories, je parle pas des mythes. Hein. Les memories n'ont pas... ont assez rarement des éléments de lore en vrai. Pour le coup, Lost Oasis de Sylus, c'était même surprenant. En général, si tu rates les memories comme ça, c'est pas trop grave, quoi. Et donc, nous avons décidé de partir à l'aventure vers le désert au loin, ensemble, juste comme ça. Here we are, at Cave 72. The most rated spot in history, and universally recognized by archaeologists as the trickiest to restore. Nous y sommes à la cave 72. L'endroit le plus rated, le plus visité de l'histoire, est universellement reconnu par les archéologistes comme étant le plus piégeux à restaurer. Ah, devant le mur de pierre, il attrape une lampe torche. C'est parce qu'il y a des peintures sur les murs qu'il est venu ? Ah oui, il s'est tourné, il a éclairé d'anciens symboles, il m'a regardé. I heard the fragments are in these mural caves. Are your resonant senses tingling? J'ai entendu dire que les fragments étaient dans les murs de la grotte. Est-ce que ton pouvoir de résonance a senti quelque chose ? On est en train de cheminer dans la grotte. But to no avail. On va savoir, hein. Mais en vain. Donc on parcourt la grotte depuis ce matin, mais en vain. Bah, du coup, j'essaye de raisonner carrément avec le mur.
Non, bizarre, je sens même pas des fluctuations de protofield. Est-ce que les rumeurs sont juste des mensonges? Il soupire et il éteint la lampe de sa main. When relics of the past are involved, the tales never end. Then again. Hein? Quand les reliques du passé sont impliquées, les histoires ne finissent jamais, là encore. This world is huge. Nothing's too weird, you know. Maybe this cave is magical. Ce monde est énorme. Arrête, tu parles trop vite. Ce monde est énorme. Rien de trop bizarre, tu sais. Mais peut-être que cette grotte est magique. Ah, mais tu penses que j'ai 3 ans ou quoi? Attends. En vrai? Attends une seconde. J'étais sur le point de parler quand du coin de l'œil, j'ai remarqué un subtil mouvement dans le mur. What is it? Qu'est-ce qu'il y a? Croyant que mes yeux me jouent des tours peut-être, je les ferme pour les regarder à nouveau. Mais une manche d'un des danseurs flottait un peu comme s'il était prêt à le lever en l'air, quoi. Scared? I was just playing around. Effrayé, je rigolais, genre. Remarquant mon silence, Raphaël suit mon regard. Oh non, la musique angoissante. Il y a bien des sirènes, donc une cave magique. C'est marrant parce que en plus dans... Bah, c'était dans Omnipotent Perception, donc la dernière carte de Mystic Invasion avec Raph. Il nous raconte, après Boum Chakala dans la baignoire, après Boum Chakalakala dans la baignoire, il nous raconte le mythe du dieu de la mer. Et il dit, je pourrais te raconter mille et une histoires. Du coup, ça fait un peu mille et demi. On est peut-être dans la caverne d'Ali Baba, là. Le danseur gracieux a disparu sans laisser de traces. Attends, est-ce que c'est à cause du... fragment de protocorps qui se fout de nous. Je m'approche. Après que quelques secondes soient passées, je me suis approchée du mur et j'ai résonné avec. Non mais par contre c'est trop grave parce que du coup, enfin c'est trop grave au niveau du lore. Vous dites qu'il n'y a pas de lore, mais au niveau du lore, s'il commence à induire dans des cartes petits souvenirs comme ça, que j'ai la possibilité de raisonner avec des objets et de basculer dans un monde parallèle à l'intérieur à cause de fragments de protocorps. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut revenir sur la peinture de Raphaël pendant 2 minutes? Ça se trouve, on peut basculer dans ces tableaux? Et ça se trouve, enfin, ça ouvre un champ des possibles où toutes nos timelines sont... Parce que ça, c'est une théorie que j'avais déjà abordée en disant, mais ça se trouve, c'est des portes, en fait. Enfin, les tableaux sont des portes. Ou des armes. Avec ses peintures, il pouvait tuer parce qu'il déferlait le... Tu sais, il avait trouvé le moyen, grâce à sa peinture, de déclencher les hallucinations et donc le Serene Lament. Et pour moi, il se servait de ses peintures, entre guillemets, pour assassiner des gens. C'était sa façon sadique de le faire. Jusqu'où on peut aller, on peut même basculer dans l'espace-temps. Mais c'est déjà le cas, on a déjà beaucoup d'intersections d'espace-temps. Mais quand tout te connecte au Deep Space Tunnel ou globalement à... Enfin, je trouve que c'est plus simple que là, vraiment, à tout moment, je m'adosse au canapé chez moi et boum, je bascule dans un autre monde, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Ça fait flipper un peu. Je suis grave curieuse de comment... Je pense pas que ce soit anodin, en vrai, qu'ils mettent ça, du coup. Ouais, je sais, vous êtes là pour la sexiness, et moi je vois un mur avec des peintures en mode on va raisonner avec, je suis en mode mais attendez, mais c'est fou ce qu'ils sont en train de nous mettre au niveau du lore, là! Parce que ça justifie de nous créer des cartes sexy, fantasmantes, dans des temporalités absolument différentes, donc pour eux, au niveau narratif, c'est zinzin, mais au niveau cohérence, c'est hyper confondant. Et en même temps, ça promet un jeu. Parce que... Vas-y, on va basculer à l'ère des chevaliers, là. Ils vont être en armure. Je suis persuadée que dans l'histoire de Zane, on aura des réalités parallèles. Bah, c'est possible, c'est déjà le cas avec Dawnbreaker, en vrai.
Moi, je suis là pour ça. Mon cerveau reptilien a besoin du tien pour réfléchir à ce genre de choses. Non, t'as raison, il y a plein de petites pièces de puzzle dans toutes les cartes, je pense. Plus besoin de juste rêver comme avec la cravache de Silas. Tu vois, Zane, il rêve, et quand il rêve, il part peut-être dans un autre monde. C'est vrai que Silas, ça passe par les rêves aussi. Bah là, c'est encore autre chose, on va pas s'endormir devant le mur, en fait, on va vraiment basculer dans un vortex. Et du coup, ça me fait vraiment dire que ce qu'on a vu dans le chapitre 7, quand on se retrouve sous la mer et qui nous laisse nous noyer au début dans les profondeurs de l'océan, là, Raph, il y a clairement un vortex devant lui, tu vois. Qui mène où? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un est venu le chercher parce qu'il devrait pas être là dans cette temporalité? Enfin... Ah, c'est bon là, mon cerveau devant des peintures rupestres. On était juste là pour bouffer du raisin, en fait, hein. Allez, j'essaye de me concentrer. Oui, Juju. Juju, il arrive. Ah, genre, t'es contente? Tu viens manger du raisin? Ok. Je pensais que je pouvais attraper le fragment, mais le mur est beaucoup plus solide que je m'y attendais. Ah, ça m'aspire! Je suis... Et voilà. Voilà comment tout ça est arrivé. Hey! Nao? Il a basculé avec moi? Avant que j'ai perdu confiance, j'ai vu... Conscience? J'ai perdu conscience? J'ai vu Raphaël. Il venait après moi alors qu'il disparaissait dans les profondeurs d'un vortex noir. Et boum. Une fois que j'ai repris conscience, hein, une scène différente s'est découverte devant mes yeux. J'ai immédiatement cherché Raphaël, mais il était nulle part. Quel est cet endroit? Où est parti le mur? Et Raphaël, il est parti aussi. Je galérais à me lever. Je me retrouvais dans un palace, très joli palace, ma foi, bien décoré en plus. Who are you, intruder? How dare you trespass into Her Highness's abode? Qui êtes-vous, intruse? Comment osez-vous trépasser, accéder à la zone interdite de l'abode, abode? De la demeure de son Altesse. Ah! Toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Une petite vision d'acier m'attire l'œil. J'ai regardé et j'ai vu que la servante portait un uniforme officiel, genre elle me regardait. J'ai attaqué! Réflexe de chasseuse, je suis désolée, je suis conditionnée. Essayant de lui enlever, de faire dégager son épée là. Mais elle s'est sans effort échappée, voilà, esquivée quoi. Et elle s'est emparée de mon poignet. Waouh! Ses compétences techniques, putain, elle en jette, hein. La meuf est trop forte. Ok, je m'attendais à être traitée comme une espionne et à être tuée. Mais à ma grande surprise, celle qui portait l'épée m'a escortée vers une pièce. M'a... déguisée. Avec bah, vraiment une tenue magnifique et des jolis bijoux, genre. Parce que la nuit d'avant, un messager est arrivé et la princesse a fui pour rencontrer son bien-aimé. Ok, un messager devait arriver pour rencontrer la princesse du coup, mais la princesse avait fui pour rencontrer son bien-aimé. Dis donc, ça me rappelle un peu quelque chose quand même. Nous aussi, on a fui avec notre bien-aimé quand on était une princesse. Alors qu'on était attendu pour plein de choses, genre notre anniversaire. On a envoyé notre bonne à la place, souvenez-vous. Pour gérer ce messager, elles m'ont fait passer pour la princesse, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ok, et donc ma quête de pour trouver Raphaël sans cette temporalité bizarre gère dans le palace. Il y a des rideaux rouges... Non, un voile rouge, pardon, qui couvre mon visage. Histoire que ça fasse illusion que je suis la princesse, quoi. Faire semblant d'être la princesse, c'est plus dur que je pensais.
Je pensais que j'allais me rendre à un rendez-vous diplomatique dans le grand hall. Mais j'ai juste rencontré une série de problèmes inattendus, par exemple. Upon learning of your highness's decision to stay here, messengers from every corner of the land brought these humble gifts. We hope they alleviate your boredom. Après, c'est marrant, ça devrait être dans ma génétique d'être une princesse. Après avoir appris la décision de votre Altesse de rester ici, des messagers de tous les coins du pays vous ont apporté des cadeaux, quoi. Nous espérons que cela pourra compenser votre ennui. Alors là, j'étais... Alors juste avant, j'étais en train de me faire épingler par une servante avec une épée. Maintenant, là, je suis devant une messagère. Harem, nous voilà. Oh, c'est parfait ce lieu pour un harem, en vrai. Ça ressemble un peu. Hein. Je me préparais mentalement, tu vois, à entretenir ce rôle illusoire de princesse. Ah ouais. Vas-y, je me la fais un peu pompeuse et condescendante. Très bien, apportez-les. J'ai des choses, des affaires importantes à régler. Soyez brève. À son signal, des mecs portant toutes sortes de vêtements se sont respectueusement alignés devant moi. Attends, on m'offre des hommes? Oh, mais c'est... C'est un vrai harem alors. Je n'ai qu'un favori, mais. Your Highness, please look. They are pleasing to the eye. Quoi? Pardon, mais posez-les là. Votre Altesse, s'il vous plaît, regardez, ils sont tous très très agréables à l'œil. Oh, est-ce que Raph est dans l'un d'eux, genre? Est-ce qu'il a été capturé? Comment ça se passe? Est-ce que ce sont des cadeaux? C'était mon cadeau d'anniversaire aussi, Raph, rappelons-le. Are none to your liking, Your Highness? There is a tall man over there. Un homme grand là, c'est... Oh, est-ce que c'est lui? Ils ne sont pas à votre goût, votre Altesse. Il y en a un grand par ici. Non mais pas besoin. Pour éviter les problèmes. J'ai prétendu être un peu, comment on dit, difficile. Et je regardais de manière dédaigneuse. De manière inattendue, la femme messager a gardé sa composture, alors comme si elle s'y attendait. If none strike your fancy, perhaps another could. Bon, si aucun d'entre eux ne vous convient, peut-être qu'un autre pourrait... À son signal, ils ont vite tracé leur route, du coup. Oh mais... Comment... Pourquoi... Enfin, super, mais... Comment on t'a attrapé? celui-là, c'est très bien. J'y pep. Et pourquoi il arrive tout enflammé en plus? On savait que c'était une chose d'hier, mais vas-y. À l'autre bout de la pièce, quelqu'un portant une robe ornée avec de l'or et des gauzes. Je sais pas ce que c'est, vas-y. Mais oui, mais moi j'aimerais bien savoir sa partie de l'histoire. Comment ça se fait qu'il se soit trouvé là? Je veux celui-là. Avec de la gaze, je sais pas, du tulle peut-être. Il marche. Would a handsome magician of fire stoke the flames of your curiosity? Est-ce qu'un magnifique magicien de feu pourrait attiser la flamme de votre curiosité? Au feu? Au moment où le feu a été mentionné, mon regard s'est posé sur la personne devant moi. What? Le feu faisait genre un voile devant son visage, ce qui m'empêchait de le voir bien. Non mais je lui reconnais pas là, c'est trop grave. Il prend
grand feu. Avec un mouvement de sa main, la personne, la silhouette conjure des flammes ondulantes, voilà. Et du coup, toute la cour du palace est illuminée avec une lueur à ça de prendre feu, quoi. Oh my. C'est seulement une fois que la flamme s'est atténuée que la grande silhouette s'est révélée à moi. Celui-là que je veux, je le prendrai en plusieurs exemplaires. Merci beaucoup. Ça tombe très bien, je le cherchais. C'est ce modèle que je prends. Mais du coup, what the fuck? Cet homme est vraiment mon cadeau. C'est pas la première fois que c'est mon cadeau. Je prends toujours ce cadeau. Il navigue gracieusement à travers la foule. Et dépasse toutes ses ombres pour se tenir à mes côtés. Il était sur mon Pinterest. J'adore sa tenue. Rejecting this fellow and that sweet lad, Your Highness, you are very hard to please. Tu aimes les raisins? Ah, il me fait des cœurs, mais what? Attends. Rejeter ces individus, cette douce personne-là, votre Altesse, vous êtes très dur à contenter. Non, mais j'ai qu'une personne dans mon cœur. Il prend ma main et il y place une fleur. Il la fait dans ma paume, genre. Mais personne t'arrive à la cheville, hein. Now tell me, Your Highness, do I pique your interest? Stoke the flames of your curiosity? Vous avez, ouais. Ah, oh, quand il dit Your Highness, je suis désolée, mais je suis vraiment dans Abyss Walker, quoi. Oh, c'est trop bien de t'entendre dire ça, ça faisait longtemps. J'aime trop. Your Highness. Est-ce qu'il est bon en RP? Ou est-ce que lui aussi, c'est dans sa génétique au final? Ça lui rappelle peut-être des souvenirs. Hein, je sais pas dans quel genre. Je sais pas s'il se souvient. Je sais pas s'il a des échos du futur. C'est difficile de comprendre du coup la timeline. Mais non, dites-moi, votre Altesse. Ai-je éveillé votre intérêt? Ai-je attisé la flamme de votre curiosité? Un torrent de questions traverse mon esprit. Je ne sais pas par où commencer. Ignorant les murmures des spectateurs. J'ai pris la main de Raphaël et je l'ai traîné dans la chambre. Bon, le message est clair, non? C'est lui que je prendrai. Merci beaucoup à emporter là-bas. Oh, bon, il y va encore en plus, hein. Oh, mais... Excusez-moi, ça fait vraiment pas le temps de naiser. J'ai fermé la porte de ma chambre, j'ai poussé le rideau rouge et j'ai poussé Raphaël sur le lit, voilà. Waouh. Bonjour. Où est-ce que t'étais? Je pensais ne jamais te revoir. En vrai, je suis soulagée de l'entrevue. T'es-tu inquiète pour moi? Oui. Raphaël se tourne et s'adosse contre le lit. Souriant, son regard me fixe et je rougis. Ouais, en quelque sorte, oui. Qu'est-ce qu'on va foutre ici? So you were worried about not seeing me again. Tu t'inquiétais de ne plus jamais me revoir? Bah, évidemment. Yay or nay? I guess my efforts to disguise myself as the princess's tribute were all in vain. Ah, comment ça, oui ou non? J'imagine que mes efforts pour me déguiser en tant que cadeau, tribut pour la princesse, étaient en vain. Il s'assit à côté de moi. Prêt à partager son expérience récente, il m'attrape pour me rapprocher de lui, genre... Ah. Alors, il est tombé du ciel, il a atterri dans la cour du palais aussi, il a ouvert ses yeux pour se voir allongé sur un autel. Comme un sacrifice humain. In an attempt to ask for protection,
A small country planned to offer its youngest prince to the princess of the mighty empire. Dans le but de demander la protection d'un petit pays, un petit pays avait prévu d'offrir son plus jeune prince à la princesse de l'empire, quoi. But there are rumors of her tyrannical nature. She's notorious for salacious escapades that know no bounds. Attendez, mais heureusement que... Que j'ai pris la place de la princesse, parce qu'il y a un monde où ça se passait mal et il était offert à l'autre. Ouais, il se serait pas laissé attraper et conduire là, j'espère. Il y a un monde où il était offert à la vraie, hein, moi je suis qu'une doublure, rappelons-le. Après, je pense que les servantes sont dans la combine, elles ont compris. Elles ont dit, ça serait bien que votre belle Ovette vienne là, elles sont pas contre, je pense. Il y avait des rumeurs concernant sa nature tyrannique. Elle est connue pour des escapades salaces, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Qui ne connaissent aucune limite. Ah ouais, elle est... une sacrée... la princesse, c'est une chaudière aussi. Raphaël s'arrête et me jette un petit regard... enfin, coquin. Oh, d'accord. Ça n'a rien à voir avec moi, si ? Il ne me donne pas une réponse directe. Une petite gourgandine. The queen, the great bedroom of the abandoned princess. Oui, oui. Summoned a sorcerer who would consult the heavens for a solution. What? La reine ne souhaitant pas la laisser subir une... Non, la reine ne souhaitant pas que son fils subisse une telle humiliation, a invoqué un sorcier qui consulterait le ciel, le paradis genre là-haut quoi, pour avoir une solution. Ah, et c'est là où t'es tombé du ciel en plus, et que tu as été capturé, mince. Ah bah la solution est venue du ciel. You're half right. Though I'm not a fish that got thrown here unwillingly, I wanted to show up. À moitié raison, ne pense pas que je suis un poisson qui se laisse attraper aussi facilement. Je voulais montrer quoi. Et comment tu savais que je serais là? I didn't. Je savais pas. Putain, t'aurais pu tomber sur la princesse Salas. Qu'est-ce que t'aurais fait? Elle t'aurait confiné là, dans sa chambre. Ok, il shrug, je ne sais pas ce que ça veut dire shrug. C'est pas la première fois qu'on voit ce mot, mais... Il hausse les épaules, comme si j'étais partie du principe que, voilà... Bah, si, c'était connu, tout le monde le savait. Bon, et te voilà. Ah bah voilà! Il n'était pas effrayé de tomber sur la vraie princesse qui est tyrannique et... gourgandine? Whether or not she's like that, who's to say? Qu'elle soit comme ça ou pas, qui peut savoir? Il se rapproche de moi et scoff, il tousse, non? Il se moque de moi. Il y a un sourire sur ses lèvres, qui se dessine sur ses lèvres. But you know, someone hasn't shown any concern for me despite our separation. I wouldn't call her tyrannical though. She's more cold-hearted. Quoi? Mais j'ai fait que ça, montrer de l'inquiétude pour... Je t'ai tiré là en toute urgence. Quoi, est-ce qu'il y a que moi qui trouve que Raph reste toujours notre chaudière aimée, c'est le seul à moitié entre les quatre. Ouais, salut, c'était pas mal niveau tenue en vrai, non? Mais tu sais, quelqu'un n'a pas encore montré trop d'inquiétude pour moi malgré notre séparation. Je dirais pas qu'elle est tyrannique, non, plutôt sans cœur. Oh! Oh, je m'inquiétais vraiment premier degré en plus. Et puis j'avais peur de rester bloquée là sans toi. Ne plus jamais te revoir, c'est pas suffisant? Like, what if I hadn't shown up and one of those guys swept you off your feet? Et si j'étais pas arrivée et que l'un de ces gars s'était mis à genoux devant tes pieds là? T'as bien vu que j'ai pas réagi? Ça ne fait aucun sens.
Mais il est tout content de lui, là. Il bombe le torse, hein, comme s'il venait de marquer un point et prouver qu'il avait raison. Il me regarde. Ah, sérieusement. I wasn't sure if you were in this palace, but at the very least, you weren't at the place I landed in. J'ai pas sûr que tu sois au palace, mais du moins t'étais pas à l'endroit où j'ai atterri. If I couldn't find you here, then I'd just escape and look elsewhere. Si je te trouvais pas ici, je me serais juste échappé, j'aurais regardé ailleurs. Oh, il aurait retourné tout le monde pour me retrouver. C'est ce qu'il fait toujours. I'll always find my way, as long as you remember me. Also... Je retrouverai toujours mon chemin tant que tu te souviens de moi. À cause de notre bande ? Oh non, c'est trop mignon aussi. Mais du coup, ça veut dire que si j'oublie, après, il peut pas me retrouver par contre ? Parce que j'oublie souvent hein, dès que je meurs, en fait. Hein. C'est gênant, ça. Let's push the what-ifs to the side. Right now, you're here. In front of me. Laissons les ici de côté. Là, maintenant, tout de suite, tu es devant moi. C'est vrai. Raphaël. Avant que je puisse finir de parler, j'ai entendu un bruit de derrière la porte. J'ai fait un geste à Raphaël pour lui dire de pas faire de bruit, justement, de rester silencieux. Une servante curieuse est entrée. Raphaël a vite, d'un geste de la main, éteint toutes les bougies de la pièce. Seule la lampe devant le lit est encore allumée, qui projette une douce lueur et qui rend l'endroit un petit peu plus intime. She's still there. Did her eyes stop working? Elle est encore là, mais est-ce que ses yeux ont arrêté de fonctionner? Je dois faire quelque chose d'autre. You need me to play along, yeah? Attendez, on va faire un jeu de rôle pour faire partir la servante, c'est ça? Ah! Oh, je joue avec son collier. Mais attends, mais en plus, je le fais devant témoin, en fait. On est... Il aime trop les roleplays. C'est du pur acting. Ok. En jetant un œil autour de la pièce, je m'avance jusqu'à lui. J'ajoute les petits accessoires en or sur son torse avant de gentiment le pousser sur le lit d'un mouvement fluide. Bon là, si la servante, elle comprend pas qu'il faut partir... T'sais, mais genre on fait semblant, mais c'est sûr qu'après on peut pas s'arrêter quoi. Mais je joue le jeu. Pris par surprise, Raphaël a rapidement joué avec une mèche de mes cheveux et prétendu me murmurer des choses douces à l'oreille. Your Highness, the rumors weren't wrong about you. Votre Altesse, les rumeurs n'étaient pas fausses à votre sujet. Et tu n'es pas juste bon avec tes mots. De quoi je parle? De... Et je vais mourir, je vais m'étouffer, il faut que je m'hydrate. C'est bon avec quoi d'autre? Dis-nous. Je reverrai jamais ces gens, c'est certain, mais... Je doute de l'efficacité d'un moyen de contraception actuellement. Je sais pas comment ça se passe dans ce monde-là, moi. Ça me choque toujours, t'es réparti des fois de la SM. Ok. Mon bras, du coup, caresse contre sa peau et ça me tend, quoi. Donc, si ce show improvisé continue, je ne sais pas quoi dire ensuite, quoi. Heureusement, la servante dehors a l'air de réaliser ce qui se passe ici, et du coup, elle s'en va. Ah! Ah, bah finalement! That's it. C'est tout? Quoi?
Juste alors que j'allais me retirer de Raphaël, il m'a immédiatement attiré à nouveau dans ses bras. C'est moi qui suis surprise maintenant. Mais je me détends rapidement dans ses bras. Pas pour longtemps. It's been a long time since we were together. Let's stay like this for a little while longer. Oh, ça fait un long moment qu'on n'a pas été ensemble. Restons un petit peu comme ça plus longtemps. Oh non, c'est trop cute. Though you did say you didn't miss me. En plus, t'as pas dit que. Même si tu n'as pas dit que. Je t'avais manqué, je. Mais si tu m'as manqué. What was that? It's too dark. I can't hear all that well. Qu'est-ce que c'est ça? Il fait trop sombre, je ne peux pas t'entendre. Mais quel rapport? Justement, ton sens de l'ouïe, vu qu'il fait trop sombre et que tu ne peux pas voir, devrait être plus développé. Merde! J'ai toujours une question rhétorique. Quand il est en sirène, comment il se reproduit? Pas besoin de le savoir, en vrai. Là, il a pas sa... Enfin, s'il en a une, mais... ébahi, mais quand même amusé de la situation, je me suis rapprochée et j'ai murmuré dans son oreille. Un de ces jours où je ne pourrai pas te voir, tu me manqueras. Tu me manqueras plus que n'importe qui. T'as compris ça? Murmuré dans son oreille. I did. Ah bah voilà, là il a compris. Dans l'obscurité, la main derrière ma tête, derrière mon dos, agrippée à mon dos, semblait me tenir encore plus fort. Il a resserré son emprise. It's all the more reason for us to stay like this for a little bit. Une raison supplémentaire pour nous de rester comme ça un peu plus longtemps. Bah oui, oui, oui. Je suis d'accord. Les jours ont passé et la princesse n'était toujours pas revenue. Quelle merde. Et personne ne savait si elle allait en revenir en fait. Il semblait que tout le monde avait accepté ça en silence, sous une façade de calme. Pour conserver les apparences, Raphaël et nous et moi, on a continué de jouer notre rôle. Moi, je suis la princesse indulgente, alors que c'est mon favori. Mais derrière les rideaux, nous organisons un plan pour savoir comment retourner à Lincoln. Et Raphaël... me raconte, du coup, basé sur ses observations, du moins, qu'il suspecte que nous sommes dans la zone... là où les... les fresques ont été faites. Elle est toujours pas revenue de sa sexcapade. Non, c'est joli comme nom, sexcapade. Nous aussi, c'est un genre de sexcapade. Is it possible the alternate reality we're currently in has that very same mural? Est-ce que nous avons voyagé à travers le temps quelque chose? Est-ce que c'est possible que cette réalité alternative puisse avoir la même fresque? Ah, il faut les deux mêmes objets. Ah. En vrai, c'est possible, hein. Donc les portes de ma chambre sont fermées comme d'habitude. Raphaël me rend visite tous les après-midi là. Oh, vraiment, les petites lumières de l'après-midi qui passent à travers les fenêtres en bois là, sur ses accessoires en or dans sa tenue qui lui sied plutôt pas mal. C'est vraiment un spectacle à voir, hein. Un petit éclair de génie dans ma tête
alors que je pense à ça, justement, un éclair de Orny, ouais. Tu penses qu'on pourra rentrer à la maison si je résonne avec à nouveau? Raphaël réfléchit à mon idée pendant un moment. Il se lève de sa chaise et va vers la porte. Let's go, Your Highness. Allons-y, Votre Altesse. Où est-ce qu'on va? We're finding our way home. On va trouver notre le moyen de rentrer. En traversant les ombres, lumière-obscurité du patio là, Raphaël accélère à travers la cour, passe le jardin et se rend plus profondément dans le palace. Moi je le suis en marchant derrière, à la même vitesse, avant qu'il ne s'arrête devant un mur. Quand tu disais qu'on trouvait notre chemin pour la maison, tu voulais dire à partir de là ? J'ai regardé les murs immenses du palace, dont la présence imposante semblait être une forteresse insurmontable. On était comme des oiseaux enfermés dans une cage. C'est trop... On sait même pas finalement si c'est pour empêcher de sortir ou si c'est pour empêcher de rentrer, quoi. It can't be us, right? It like can't be us. C'est comme si ça ne pouvait pas être nous. Je comprends pas ce que tu essayes de me dire, Rafa. Il va falloir être plus clair. Il lève un sourcil et regarde derrière lui. Do you want to see what's outside, Your Highness? Veux voir ce qu'il y a dehors, Votre Altesse. Lui, il est doué pour s'échapper, hein, par les balcons, par les murs, tout ça, il l'a déjà fait, bien sûr, mais... Avant que je puisse finir, je remarque que mes pieds ne touchent plus le sol. Raphaël me porte déjà... On va où? Tu vas sauter par-dessus le mur? Qu'est-ce que tu fais? I'm supporting you, obviously. How else are you gonna see what's outside? Ah, mais je te porte, évidemment. Comment sinon tu vas pouvoir voir ce qu'il y a dehors? Ah! Ah, tu me portes pour que je vois par-dessus le mur! Ah oui! Soudainement, les murs du palace ne me semblent plus si loin. Mais en même temps, il est beaucoup plus grand que moi, c'est logique. Je tends ma main comme ça, mes doigts touchent presque le haut du mur. Ah, je me... Cric! Je regarde par-dessus. Il y a un grand désert qui brille sous le soleil. So, is the view nice or... Alors, la vue est bien ou... Ah, je préfère la vue d'en dessous que la vue de là-bas. Ok. Je me hisse sur le sommet du mur et du coup, j'essaye de tirer Raph. Viens regarder toi-même. Sinon, tu sauras pas. Raphaël hésite avant d'attraper ma main. Avec un peu d'effort, j'arrive à le tirer là-haut. On est assis tous les deux sur le mur du palace. On peut voir le paysage au loin. Well, now that I'm seeing it for myself. Eh, elles sont sympas les vacances. It's breathtaking. Et maintenant que je le vois de moi-même, c'est époustouflant. Honnêtement, je dirais pas ça, c'est genre un désert. Le vent projette du sable et de la poussière droit dans mon visage en plus. Super. Là encore, on dirait que ça fait une éternité que j'ai pas eu cette sensation de liberté. Je comprends pourquoi la princesse voulait s'échapper. Franchement, être confinée dans ce palais, c'est chiant comme la mort. Elle n'a rien à faire à part faire la même chose, une vie ennuyeuse jour après jour. Putain, mais c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est exactement ce qui se passe dans... Dans le mythe Abyss Walker, hein. Et je pensais à ça avec Sylus parce que... Je vous disais que je pense que Sylus
été quelqu'un aux côtés de la royauté de Philos ou un truc comme ça. Et vous savez, j'ai repensé à l'event de cet été où il a bien dit le serment de « je protégerai avec ma lame », blablabla. Genre, il savait bien ça. Et là, je trouve que c'est pas anodin aussi qu'ils aient choisi les catcheurs mongols, parce que les mongols, c'est quand même le peuple du cheval. Et... ben... il ride les chevaux, lui. Je suis curieuse de voir son histoire, du coup, parce que je... je pars du principe que vu qu'il y a de la résonance entre le mythe de Raph et cette carte-là, il se pourrait qu'il y ait de la résonance chez Sylus aussi. Je sais pas pour les deux autres, si vous les avez fait, est-ce que vous avez vu de la résonance aussi chez Xavier et Zayn vis-à-vis de leur mythe un peu ou pas du tout. De ce que j'ai vu vite fait dans la bande-annonce, par exemple, c'est que Zayn ont fait de la calligraphie où il y a un truc avec un pinceau pour faire de la calligraphie. Le fait est que dans le forcière, pour le peu qu'on en a vu, il lisait des mots dans l'air, là. Genre, il a ses présages avec des mots qui apparaissent dans le devant. Et quand son compagnon, pareil, Master of Fate, fait les combats, là aussi, il y a plein de mots, de kanji, ou je sais pas comment ça s'appelle pour les Chinois, qui arrivent, là, dans l'espace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour Xavier, bon, il y avait un arbre. C'est tout ce que j'ai remarqué, je sais pas. J'ai pas encore eu Zayn et Xavier, je saurais pas te dire. Ok, ça résonne. Oui, oui, on fait de la calligraphie, ouais, sur son torse. Non mais du coup, enfin, si pour moi il y a de la résonance avec les trois autres sur leur mythe, s'il y a des connexions, alors, dans la carte de Sylus, il va y aussi y avoir de la résonance. Xavier, non, pas vraiment. Ok. Ok, mince. Ça va pas notre théorie, ça. Parce que là, vraiment, c'est fort hein, dans la carte de Raphus, je trouve. Est-ce qu'il s'est enfui pour voir son bien-aimé, tu penses? Même si la personne que j'aime était dans les parages, je ne voudrais pas d'une telle vie. Parce que... il ne l'aimerait pas non plus si... Je me suis tournée pour regarder Raphaël. Pas tellement pour Zayn, ok. Parce que Raph, c'est dingue quoi, c'est notre histoire. Raphaël, tu seras en mesure de rentrer à Lincoln? Bon, pas sans moi quand même hein. Not right now. We're missing something. Ah maintenant, on rate quelque chose. À quoi? The stuff that'll take us back the way we came. La chose qui va nous ramener de la façon dont on est venu. Mais de quoi tu parles? Je voulais lui demander de quoi il parlait avant que je ne puisse ouvrir ma bouche. Quelqu'un a crié derrière nous. You on the wall. Who are you? Vous sur les murs, qui êtes-vous? Putain, on me reconnaît pas dans mon propre palais. On se tourne et on regarde là où il y a les gardes qui courent vers nous, genre. On n'a pas d'autre choix que de sauter pour descendre. Il attrape ma main et me conduit plus profondément dans le palace. On va retourner dans ma chambre. Over here. Par ici. C'est quoi, c'est un bureau? Après que le temps est passé, il m'a tiré dans le noir, dans un endroit assez isolé. Il s'est rapproché et je suis pressée contre son shelf. Contre une shelf, contre une étagère. On est dans un casbi. Après, c'est juste qu'il peut être traité différemment. Regarde son mythe, c'est pas du passé, donc on peut laisser la porte ouverte. Ben, Xavier Lumière, c'est pas du passé non plus. Cet endroit... Chut. Il couvre ma bouche avec sa main et j'arrête immédiatement de parler. Bah c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'il fait? Bah...
dans ce placard. Mais au moment où, suivant où son visage se rapproche du mien, mon cœur bat comme un tambour. Attendez, mais on peut pas rejouer le... Non. C'est dommage, putain. Chut, Nao, chut. Ça me fume. Merde, moi j'étais à ça de mettre en favori de relecture. plusieurs minutes sont passées et on dirait que les gardes ne sont plus après nous, ils ont disparu. Et il m'a relâché. Oh mon dieu. So, what were you about to say? Alors qu'est-ce que tu étais sur le point de dire? Je n'en peux plus. C'est... je veux dire... Je sais plus ce que j'allais dire, je suis perturbée par le... par ce que je viens d'entendre dans mes oreilles. Ah si, j'étais sur le point de te demander où est-ce que nous allons. In this desert, there are countless caves. Finding that cave 72 is the real challenge. C'est pas faux, c'est vrai que c'était dans une grotte. Dans ce désert, il y a un nombre incalculable de grottes. Trouver la grotte 72, c'est un vrai challenge. But if there's a guide of some sort lying around, that might make things easier. Mais s'il y a un genre de guide ou quelque chose dans les parages, ça pourrait nous rendre les choses plus faciles. En d'autres termes, la chose dont Raphaël fait référence pour nous ramener chez nous, c'est une carte dans la bibliothèque. J'ai pas encore regardé tous les bouquins ici, donc il y a un problème. Ils sont écrits dans une autre langue. Est-ce que tu peux comprendre? Nope. J'ai cru qu'il allait me dire oui en mode, bah écoute, je parle déjà le poisson, ce qui fait une autre langue. Ah donc quoi, on regarde les images? Avec un petit mouvement du foyer comme ça. Raphaël tape le sommet de ma tête avec un livre. Ah oui, comme ça, pouc. Il avait sorti d'une étagère proche. We're looking for a map, cutie. Focus on the pictures, not the text. On cherche une carte... cutie. Carte cutie parce que c'est cutie. Concentre-toi sur les images, pas sur le texte. Ok, les images, pas le texte. J'acquiesce. Et je me rends vers le... cette mer de livres. Du matin jusqu'au crépuscule. Crépuscule ? L'aube, crépuscule ? Ouais, crépuscule. On cherche le moindre truc à la recherche d'une carte, quoi. Ah, la dernière bibliothèque qui a besoin d'être vérifiée se tient devant moi. C'est vraiment dans les profondeurs de la librairie. C'est pour la littérature cochonne. Bon, il reste que ça. Je me mets sur la pointe des pieds, j'essaye d'atteindre un livre et j'entends la voix de Raphaël derrière moi. Desert Atlas. I found it. Le désert d'Atlas, je l'ai trouvé. Encore une référence à la mythologie grecque. Je me tourne, et peut-être parce que j'étais dressée sur mes doigts de pied depuis trop longtemps, je perds mon équilibre. Je cogne dans l'étagère en bois, dans l'armoire en bois, enfin dans le truc en bois quoi. Ça tremble et un livre tombe sur ma tête. Et quand le livre tombe sur le sol, il s'ouvre et il révèle des illustrations très colorées. Avant que je n'aie pu y jeter un œil, Raphaël le ramasse et le ferme. Qu'est-ce qu'il fait à mon épaule? Il nudging. Ah merde. Vous pensez que c'est un livre sexy qui est tombé? Moi je disais ça pour rigoler. Il me donne un coup de coude pour me faire aller vers la porte. Mais non. We should get out of here. Now. On devrait s'en aller d'ici maintenant? Mais quoi? Pourquoi il est si pressé d'un coup?
Voilà, quelque chose ne va pas, les actions de Raphaël ne sont pas comme d'habitude aussi gracieuses. La façon dont il bouge, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? C'est un livre de magie noire. C'est une photo de lui. Who knows? Qui sait? J'ai vu des dessins colorés, tu penses que ça peut être des fresques? Nah. Non. Bah t'as à peine regardé, comment tu peux savoir? Non. Si? Attendez, est-ce qu'on vient de trouver un exemplaire illustré du Kama Sutra? Mais il faut qu'on essaye ça tout de suite! Il y a peut-être des trucs qu'on connaît pas chez nous. C'est exotique. Comme c'est étrange. Raphaël m'envoie balader, quoi. Ce qui me rend encore plus curieuse au sujet de ce livre. Alors qu'il essaye de trouver une réponse à me donner. J'attrape le livre. Il avait remis sur l'étagère. Je l'ouvre pour comprendre seulement que c'est en fait... Je suis ébahie devant les dessins et ensuite je mets une main pour couvrir mes yeux et l'autre ferme le livre. I told you it's not for innocent people, yet you still took a peek anyway. Comment ça pour les gens innocents? Moi, innocente? Après ce qu'on a fait dans la baignoire? Mec... Comment ça, je suis innocente? Je t'ai dit, c'est pas pour les gens innocents. Et puis, il fallait quand même que tu jettes un œil, hein. Now everything's just awkward. Maintenant, tout est juste bizarre. Mais non, mais pourquoi? Mais tu n'as pas dit ça du tout. Ok. But like, did I need to tell you explicitly? D'accord, mais est-ce que je devais te le dire explicitement? Ouais, ouais, bah, très bien. Rentrons et étudions la map, là, la carte. Mais non. Étudions ce livre, non? Mais pourquoi lui-même il est embarrassé? Ah, parfois il est prudent, je vous jure. Ne pas oublier de prendre le livre avant de partir. Donc je récupère la carte qui était avec Raphaël, là, je la tiens près de ma poitrine, alors que je vis jusqu'à la chambre. Je veux laisser cette expérience très embarrassante derrière moi. Hey, wait. Et attends. I'm the only one who's gonna know about this, and I won't be telling anyone else. Why are you so nervous? Je suis le seul à savoir et je ne vais le dire à personne. Pourquoi t'es si nerveuse? Mais y a pas à être embarrassée comme ça, hein. Vas-y, hein. C'est pas moi qui écris le livre, c'est pas moi qui fais les dessins. C'est la nature, nature-peinture, hein. Pourquoi je serais mal à l'aise avec lui? Dans la chambre, je tire la carte comme ça. Sur le... C'est un velvet, c'est un tapis, non? Avec une broderie dorée. Velvet chaud. Velours. Le velours doux. Non, pas du tout un tapis, non. C'est pas le tapis rouge, hein. C'est juste du velours. Apprends les tissus en anglais avec Nao. This desert atlas and the records of western regions in the Lincoln Gallery are practically twins. They match up pretty well. Ok, cet atlas du désert et les régions d'ouest du fichier de la galerie de Lincoln sont pratiquement identiques. Ça correspond. Il attrape un papier et un crayon sur la table et commence à dessiner les endroits du palais et du coup de la ville, des portes de la ville. Once we're out of the city, we'll head west and locate the caves. Or at least their general vicinity. Et heureusement qu'il est venu avec moi comme guide, hein, parce que sinon je partais jamais. Moi, je connaissais pas les grottes, hein. Une fois qu'on sera en dehors de la ville, on ira vers l'ouest. On localisera les grottes.
Du moins, leur emplacement général. Oh! La flamme dans le diffuseur à encens brûle et diffuse un petit parfum qui pénètre dans toute la pièce. Je regarde la flamme vaciller comme ça et je ne parle pas. What are you thinking about? À quoi est-ce que tu penses? Au livre de tout à l'heure. Je me demande si on sera en mesure de rentrer chez nous sans problème. Didn't you already chew on that question up on the wall? Est-ce qu'on n'a pas déjà répondu à cette question sur le mur? Je me sens toujours anxieuse et je jette un petit regard sceptique. Mais... Est-ce que même si, imagine, le vortex temporel, là, il apparaît. Et imagine, on rebascule dedans et ça nous amène vers une autre réalité. Qui sait où on va tomber, quoi? Peut-être on devrait rester ici. Oh. Non, mais... Arrête de me faire des cœurs. Alors que la flamme prête à partir, il la jette. Enfin, il la réallume dans sa paume. C'est quoi? C'est l'espoir? T'essayes de m'infuser de l'espoir, c'est ça? Then I'll just have to find you again. Alors j'aurai juste à te retrouver encore. Mais t'es plutôt confiant, hein? I'm good at tracking people down. Besides, didn't I already do it? Je suis doué pour traquer les gens. C'est donc pour ça que tu es un assassin. En plus, est-ce que je l'ai pas déjà fait? C'est réel. On sait aussi comment ils nous traquaient. Quand on vivait notre vie normale sans savoir qu'il existait à Lincoln dans notre timeline actuelle. Genre oui, c'est infiltré pour donner des cours à la fac où on était. Pour espérer nous entreapercevoir alors que nous n'avions aucune idée de qui c'était. Ah donc on serait dans une réalité parallèle du coup. Si c'est le cas, est-ce que la princesse en fuite, c'est nous? On est parti trouver Raph peut-être, je pars loin. J'aurais pas dit que c'était nous, mais ça résonne fort avec notre mythe et je pense que c'est plutôt fait pour ça en vrai. Et puis fallait bien que je prenne la doublure. La chaleur des mains de Raphaël enveloppant les miennes font fondre toutes mes inquiétudes et mes doutes. Like how every drop of water finds its way to the ocean, those who are lost will always find their way home. Waouh, redis-moi ça. Comme toutes les gouttes d'eau finissent par retourner à l'océan, ceux qui ont perdu leur chemin ceux qui se sont perdus retrouveront toujours leur chemin vers leur maison. Comme toutes les gouttes d'eau finissent par retourner à l'océan, ceux qui se sont perdus finiront toujours par retrouver un moyen à rentrer à la maison. C'est très profond, je trouve. Your Highness, the messenger has brought you a rare fruit. Would you like to try it? Est-ce que c'est mon raisin? Oui, faites entrer le raisin, mais bien sûr. C'est vraiment le... C'est lui la star de cette histoire. Ah, ça me fume. Votre Altesse, le messager vous a apporté un fruit rare. Vous voulez l'essayer? Raphaël hésite. Je regarde la porte comme ça. Why is it always her? She's like a persistent shadow. Pourquoi c'est toujours elle? Elle est comme une ombre qui nous colle là. Qu'on amène le raisin. Juste alors que la servante est sur le point de rentrer. Raphaël se jette dans le lit, genre. Ah, il utilise son corps pour cacher la carte. J'aime. Et je me jette sur lui. Du coup, je m'allonge sur lui en faisant genre on est intime. Hein? Nous sommes occupés là maintenant. Si c'est seulement pour le fruit, soyez gentil, laissez-le là. Ok, la servante dépose du coup le plateau.
et passe la porte avec des pas mesurés. Avant de partir, elle regarde en arrière. Then I shall wait by the door. I'll always be ready to tend to you, your highness. Alors j'attendrai derrière la porte. Qu'est-ce qu'elle va attendre derrière la porte? Que j'ai bouffé le raisin? C'est pour ça qu'on va devoir faire genre... Mais mangeons ce raisin parce qu'on n'en peut plus d'elle. Be ready to tend to you. Qu'est-ce qu'elle veut me tendre? Elle me tend, oui, elle me tend. Prête à prendre soin de vous. J'ai déjà quelqu'un qui prend soin de moi. Merci, au revoir. Bonne journée. C'est toujours la même en plus avec son épée. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Pourquoi tout le monde dans ce palais est toujours laisse les oreilles traîner, quoi? J'imagine que faire semblant ne marchera pas sur elle. Faire semblant on va devoir le faire vraiment là. Why are you... Pourquoi est-ce que tu... Attends, on peut pas faire ça. D'accord, j'ai le contexte. J'ai le contexte de cette histoire. Je ne sais pas où est le raisin, mais... On a la servante derrière la porte. Ok, I get it. J'ai compris, je suis prête. Je sais pas si je suis prête. Mais vas-y, j'ai l'air de savoir ce que je fais en tout cas. Ah bon, lui a caressé la cuisse. Très bien. Rendons ça convaincant. Oh! Est-ce que je suis prête pour ce qui va se passer? Je sais pas. Oh, c'est Ebonflow? Oh, this intense. Oui, c'est intense. Tell me, should I be a good, honest boy? Or should I play hard to get? On joue toujours là parce que. Bon, est-ce que je dois être un gentil garçon obéissant ou est-ce que je dois faire genre je suis difficile à attraper? J'ai besoin d'eau. Attendez, pause. Je vais absolument avoir besoin de m'hydrater. Je vais pas survivre sinon. Ça va, je reviens. Oh mon dieu. C'est pas Ebb and Flow, je dis des bêtises, c'est la musique de la carte de Zayn, je crois. Hidden Motives. Motive ? Motive. Attendez, tendons l'oreille. Coucou Dark Yukino. On est prêt ? Tout le monde est prêt ? Est-ce que tout le monde est prêt ? J'attends un prix religieux. Je relance. Je pense qu'il faut mettre des écouteurs. C'est parti, je suis... My body is ready. Ok, pareil, tout pareil. Écoutez, c'est bien la musique de la carte de Zayn.
Attendez, mais je vais pas pouvoir élire et me concentrer sur ce qui se passe, hein. Il est possible que les traductions deviennent hasardeuses à partir de maintenant, je vous le dis direct. J'ai entendu dire que tu étais un renard mystique, un esprit de renard mystique d'un pays lointain. Alors... Bien par là, de nouveaux murmures vont remplir l'air. Come dawn, new whispers will fill the air. Je suis sur ses genoux, bascule en arrière, j'attrape le raisin. Le raisin! Enfin. I'm a fox now. Out of all the things I expected, that wasn't one of them. Je suis un renard, mais non, mais t'es dans la norme, mec, il faut... Franchement, mais oui, t'es bien dans la Naordi, non? Un renard, c'est parfait, c'est notre symbole. On a l'impression qu'il a la voix cassée, Boubou. De toutes les choses auxquelles je pouvais m'attendre, ce n'était pas l'une d'elles. Mange. Ok, je le nourris. Like this. Comme ça. Je me nourris. Prends ces raisins. C'est qui la princesse là? C'est lui, c'est pas moi. C'est moi qui devrais nourrir comme ça. Je pense. On lui donne à manger déjà dans sa carte d'affinité en plus avec la pomme. Maintenant, on fait ça avec le raisin. Genre, je supporte sa tête et tout. Tiens. MDR. Mais Gob, prends. Miam. You're so demanding. All right. Où est passé mon morceau? Ah, il est là. Je suis très demandeuse, d'accord. Je vais m'assurer qu'aucune goutte ne soit gâchée. Je sais pas de quoi on parle. D'accord. Sure, not a single drop goes to waste. Alors moi c'est pas comme ça que je mange le raisin, j'avoue que je sais pas, un raisin tu gobes tout, pourquoi il me susote le raisin là? Mais qui susote des raisins en fait? Quel est le message, hein? Puisque votre Altesse veut... Mais attendez, mais what? Puisque votre Altesse veut époux... Ah, j'arrive même pas à le dire. Non, c'est pas épousé que j'essaye de dire. Épicé, spice things up. Je ferai de mon mieux pour satisfaire tous ses besoins. Je crois pas qu'on parle du raisin. Je crois qu'on parle pas de raisin là en fait. C'est mince. La métaphore du raisin. Your Highness wants to spice things up. I'll do my best to satisfy your every need. Quoi? Bon, mais... Ah, il vient de me lécher l'avant-bras? Oh bah tu m'étonnes que j'en perde le raisin! Tu... Enfin... J'en perds le raisin, mais tu m'étonnes aussi! Va falloir aller le chercher, je pense. Oh, cette glissade le long des abdos du raisin, ça me fume. Bon, on va devoir revoir l'arbitrage vidéo, oui, c'est sûr. Can't take it anymore. Je peux plus l'attraper. Mais... It's... Oh, c'est trop long, je ne peux pas l'avoir. Est-ce que votre Altesse pourrait... Ben comment alors? Parce que j'ai une main là et une main derrière sa tête. Avec les dents. Vas-y avec la bouche. Je vois pas d'autre solution là, il faut qu'on aille chercher ça, peut-être la première, hein. Je crois que My Body n'était pas ready pour cette carte. So far away, I can't get it. Your Highness, could you?
l'attraper. Mais hey, c'est trop bien parce que ça décompose bien, tout ne va pas trop vite. Je peux faire des pauses. Je vais te chercher ce raisin. Est-ce qu'il est tombé par là? Ou est-ce que je devrais aller regarder un peu plus bas? I think you need to go a little lower. Tout va bien. Je suis... J'ai vu... Oh, un beau raisin. Mais... Regarde tout ce raisin gâché. J'espère qu'on va pas laisser s'échapper une seule goutte. Ah non, désolé, je vois trop un raisin, là. Oh non, je... Il y a une aubergine aussi. Trouvé. Alors c'est là. Wanna keep look. Okay. Trouvé. Oh my god, l'effet que ça lui fait d'aller chercher du raisin. Je m'apprête à attraper le raisin. Manger bien 5 fruits et légumes par jour. Oups, ce n'est pas le raisin. Pardon. Cette carte est trop bien. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Forget the fruit. J'ai vraiment attrapé le raisin. Oublie le fruit. Il s'est pas remis de ma descente demain, je crois. Est-ce que tu peux me penser d'une autre façon? Oui. Ah, c'est dingue. Can't you compensate me another way? Oh my. J'ai compris. Undercurrent. Merci le voice acteur. Bon bah cette nuit c'était pas de l'acting. Ah, oh my god, cette carte est trop bien. Voilà, bougie, ça fait longtemps qu'elle s'est éteinte. Perdu dans l'obscurité. Il n'y a plus de lumière, le temps s'est dissipé sans que je remarque. Si ça, c'est pas... n'y a pas eu un boom chakalakala, je... Impossible, no way. Ah, seul le ciel marque les passages du temps et qui montre qu'il est passé minuit, genre. J'ai fait un AVC. Je suis allongée sur le lit. Attendons. Pour quelque chose. Oh, c'est bon flou là, c'est quoi? Are you awake? T'es réveillé? Ah, oh, j'ai eu du mal à m'en remettre, je vais pas te mentir. Il m'attendait. Oui, oui. On a pratiqué le Kama Sutra, je pense. Tu vois, ça servait de regarder les dessins. Let's go. Allons-y. On va rentrer chez nous maintenant. Oh, le moment suivant, une petite lueur éclaircit l'obscurité. On sort du lit rapidement. Je prends la carte. Alors qu'il attrape son sac. On avait un sac. Évitant les gardes, on suit la vraie route qui a servi à la princesse pour s'échapper. On trouve même un cheval. Bah dis donc. Hold on tight. The road's gonna be a little bumpy. Un cheval, deux personnes. Allons-y, c'est parti. Prends le raisin. Accroche-toi bien, la route, ça va secouer.
Go. J'adore, mais... Le ciel de la nuit arbore une petite lueur de lune argentée. Le summum de l'élégance et le désert qui atteint l'horizon. C'est comme si les deux... J'ai pas lu. C'est comme si on était suspendu entre le ciel et la terre. Le cheval continue de galoper et le monde diffuse à nos côtés, quoi. Soudainement, je sens une étrange connexion avec la princesse que je n'ai pourtant jamais rencontrée. Est-ce que c'est comme ça qu'elle se sentait quand elle s'apprêtait à rencontrer son bien-aimé? Beloved! My beloved bride! My beloved! Je serre plus Raphaël encore, espérant qu'on trouve ce mur bientôt, là. Mais en même temps, j'ai presque envie que ce voyage ne s'arrête jamais. J'ai perdu la notion du temps alors qu'on était sur ce cheval. Ensuite, Raphaël a tiré les rênes et le cheval s'est arrêté devant la grotte. This must be it. Du coup, on a chevauché deux fois. C'est réel. Ça doit être là. Est-ce que quand on va se retéléporter, du coup, bah oui, je suis arrivée avec mes vêtements. On les a laissés derrière nous ou on les a pris avec nous? Parce que là, si on retourne dans notre monde, on aura ça. Et c'est pour ça qu'il peut s'habiller comme ça après au café de Lincoln aussi, c'est logique. Suivant la carte, nous avons retrouvé du coup la grotte où se tenait la fresque. Enfin, où elle aurait dû être du moins. Raphaël tenait une lampe qui éclairait le mur de pierre devant nous. Sinon, tu peux dessiner un truc. Oh my god! Mais oui? Mais alors c'est toi qui avais fait les dessins? Ouah! Surprise! Le mur où il y aurait dû avoir la fresque est vide. Alors que... On regarde nos ombres, on échange un regard. Il nous manque des mots. Is it incomplete? Est-ce que c'est incomplet? T'as pris un sac, j'imagine qu'il y a de quoi te peindre dedans, non? On était sûr que la fresque c'était la clé. Donc maintenant on sait ce qu'il nous reste à faire. Et où est parti le peintre? Oh, oh bah, il est pas là le peintre, il a pas fait la fresque, mais... Il a laissé tout le matos devant pour. Parfait. Il y a des pigments minéraux de diverses sortes. Raphaël ramasse un pinceau du sol. Il le trempe dans les pigments. Et ensuite, il peint une ligne sur le mur. Interesting. This isn't the original stone wall. There's a layer of fine clay and kaolinite on it. All ready for painting. Intéressant, c'était pas la pierre originale. Il y a une fine couche de glaise et de kaolinite dessus, tout prêt pour être peint. Ok, il me voit fixer le pinceau rouge noir là. Il prend ma main et me guide plus profondément dans la grotte. Il est temps d'enquêter. En allant plus profondément dans la grotte, il y a des... On va voir. C'est du verre pilé ou quoi? Du minerai. C'est taillé. C'est des tas de minerais colorés, quoi. Il ramasse une pierre de malachite. Je réalise quelque chose. La fraise dont on a besoin, c'est la peinture. Oh, il y a du fragment de protocore qui est caché là-dedans. C'est ça notre ticket de sortie. Ou ticket retour. On peut essayer.
La nuit s'étire pour laisser finalement apparaître les lueurs du matin qui arrive à travers les petits interstices et touche l'obscurité. Ouais, c'est vas-y, les descriptions poétiques là, à 23h, et qui font disparaître les dernières petites obscurités du mur, quoi. Maybe in our own little way, we'll be able to return things to how they were. Peut-être qu'à notre façon, nous serons en mesure de ramener les choses telles qu'elles étaient. Et peut-être que c'était nous de base qui l'avions fait. C'était peut-être une trace de notre passage initial. J'écrase du malachite dans ma paume. Wait, there's still something I need to do. Attends, il y a encore quelque chose que je dois faire. Je suis surprise que Raphaël prenne le minerai de ma main et me ramène vers le mur en pierre. Qu'est-ce que tu fais? Il veut peindre un souvenir. You know, an opportunity like this, where we can go into an alternate reality, there won't be a second time. Tu sais, une opportunité comme ça, d'atterrir dans une réalité alternative, il n'y aura pas de deuxième chance. Il veut marquer un signe de notre passage. Let's leave behind something that only we recognize. Le voice actor a clairement il est clairement enrhumé, le pauvre. Puisque c'est le cas, laissons derrière nous quelque chose que nous serons capables de reconnaître. C'est pas grave, c'est synchro avec ma personne, du coup. Dans la lumière tamisée de la grotte, il se tourne vers moi. En tenant le pinceau, il me jette un regard tendre. Why are you spacing out? Pass me that pot with the cinnabar. Ok, mais pourquoi tu rêvasses là? Passe-moi ce pot avec le cinnabar. Cinnabar? Le cinabre? Aucune idée de ce que c'est. Cinabre? Ah, c'est du rouge. C'est une pierre rouge. Dis donc, on est beau. D'habitude, c'est le bleu, toi, la peinture. Ça commence à faire beaucoup de peinture avec du rouge hein, chez toi. En plus, je dis que je sais pas ce que c'est, mais c'est pas la pierre qui est dans Olympia Soirée aussi. Parce qu'il me semble que... La meuf, elle fait des connexions. Parce que déjà, il me semble que j'ai déjà entendu ce truc et ça m'évoquait quelque chose. Et après, il me semble que si on parle du quartier rouge, c'est parce que justement, les pierres sur place, ils ont exploité le minerai qui était rouge. C'est aussi ce qui a donné la malédiction rouge, le rouge. C'était pas du cinabre. Ah, si ! Ah ben voilà ! On connecte ! Full culture, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est très rigolo qu'on bouffe du raisin parce que dans une de ces cartes audio aussi, où on le dessine un peu, il pose avec du raisin, là. Pas encore adepte des techniques de peinture à l'ancienne, Raphaël finit avec de la peinture partout sur ses mains, quoi. Il arrive à dessiner une silhouette habillée en quelques coups de pinceau. Enfin, ouais, bon, laissons faire l'artiste, d'accord, parce que nous... Est-ce que c'est moi? Who else would it be? Qui d'autre ce serait? Oh, je suis vraiment ta muse, hein. Il plonge son pinceau dans le pot de cinabre et ajoute des petits poissons rouges. Oh! Non, un poisson rouge. C'est Reddy! Zane, c'est la poire. Et Silus... Bah, la grenade, hein. Voilà. On a fait le tour des 5 fruits. Attends. Il nous manque un fruit. Il va falloir que Caleb rentre dans la partie pour qu'on ait nos 5 fruits par jour. Avec donc sa petite queue, voilà, bouge. Et pourquoi il y a un petit poisson rouge à côté de moi? Ah mais oui, mais Caleb, c'est la pomme. On n'a pas dit le fruit, mais oui, Caleb, c'est la pomme, oui. Oui, oui. C'est la pomme. 100%, bah oui, vous avez raison. C'est littéralement sa photo de profil.
Raphaël me regarde avec un gentil sourire, enfin un sourire gentil sur le sur ses lèvres. Because it likes you, cutie. Parce qu'il t'aime, cutie. Ah, c'est lui, il s'est représenté comme un petit poisson rouge. Lol. Une lueur rouge s'illumine la fille, le petit poisson traverse une barrière d'illusion, voyageant d'un désert désolé vers un océan sans fin. Thankfully, you'll be taking me home this time. Heureusement, c'est toi qui me ramèneras à la maison cette fois. Je peux sentir l'ambiance, je me tourne vers Raphaël. C'est moi ou ça sent comme la mer? I guess it's raining outside or something. J'imagine qu'il pleut dehors ou quelque chose. Mais attends. Comment ça se fait? C'est les cinabres, c'est du protocore ou c'est que parce que c'est des pierres rouges? Les pierres rouges ont-elles les pouvoirs? Mais là, on a parlé de protocore, mais du coup, il y avait du protocore dans la peinture. Ces minéraux étaient des protocores. Le cinabre est un protocore. Quand on parlait de techniques évoluées chez les lémuriens, c'était... À travers la peinture déjà, ou c'est venu plus récemment? Il apprenait à peindre quand il était petit, mais ça m'avait l'air d'être le seul... Non, c'était pas forcément le seul porté vers cet intérêt, parce qu'apparemment, culturellement, ils étaient quand même plus... Tous les lémuriens avaient l'air d'être portés sur l'art, maintenant que j'y réfléchis. Oh là là, mais ça y est, mon esprit est encore parti à divaguer, à théorie craftée, là. Ouais, il pleut dehors. L'air se fait plus lourd et des gouttes d'eau tombent des cailloux. C'est une douche de soleil. A sun shower, j'avais jamais entendu ça. Once everything's soaked, we'll swim back to Lincoln together. Une fois que tout sera trempé, on pourra nager jusqu'à Lincoln City. Hein? Oh oui! Ah bah oui! Bah il a plu dans le désert, du coup ça fait un arc-en-ciel, oui. C'est comme de la magie, mais... Ce qu'il dessine se réalise. En passant la tête par l'entrée de la grotte, je vois une lueur sur le visage de Raphaël. Are you suggesting we've stumbled into an alternate reality where you're a princess and I serve as your charming tribute? And we happen to get caught in a downpour in the desert? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé, oui. Est-ce que tu suggères que nous ayons été transportés dans une réalité alternative où tu étais une princesse et que je t'ai... j'ai été servie pour toi comme un cadeau charmant, quoi. Un tribut charmant. Et qu'on s'est retrouvé prisonnier dans un downpour dans le désert. Un downpour. Une averse. Ah, c'est une averse, ok. Ou un déluge, maman. À plusieurs intensités, visiblement. Une averse dans le désert, faut le faire quand même. Oui, c'est vrai qu'on a expérimenté plein de moments magiques ensemble. Ça pourrait être un miracle, non? Oh oui, des moments magiques, oui. Of course. But if you want to talk about the greatest miracle. Bien sûr, mais si tu veux parler du plus grand miracle, se tourne vers moi. Wouldn't it be how I can still find you even in the vastness of space and time? Est-ce que c'est pas quand j'arrive à te retrouver malgré l'étendue de du temps et de l'espace? Si! Ne me lâche plus. Tu finiras toujours par me retrouver, j'adore. Je me sens beaucoup moins seule d'un coup. Ne sachant pas combien de secondes s'étaient passées, écoulées, je regarde dans les yeux de Raphaël, ses doigts sont entrelacés avec les miens. In the next reality, I will never let go of your hand. Dans la prochaine réalité, je ne lâcherai jamais ta main. Moi, mon syndrome de l'abandon aussi résonne. Mais vous savez qu'une partie de moi se dit que j'aime bien Raphaël parce que justement, j'en fasse vachement avec sa peur de l'abandon, en vrai. Plus, moi aussi, j'aime bien être une drama queen de temps en temps. En fait, il me rappelle un peu moi. Moi aussi, j'aime bien faire ma petite diva de temps en temps, tout ça, tout ça. Bon, après, je suis pas les raisins pareils, j'avoue.
Mais il y a pas mal de traits chez lui qui font écho à ma personne, quoi. En regardant du coup la pierre, enfin le minerai dans ma paume, je retire ma respiration et je me concentre et j'utilise mon évol pour raisonner. Oh, et mais du coup, souvenez-vous quand j'avais raisonné avec... j'avais raisonné sur l'île du chapeau, c'est At Island, donc l'île du chapeau. Quand on était allé avec lui là, et le canoë où il avait vomi, sa pierre... Non, c'était un morceau de corail. Enfin, en tout cas, on avait un truc et dans lequel... C'est lui, littéralement, qui nous apprend d'ailleurs un peu à raisonner avec cet objet. Et c'est après que ça part en couille et que ça ouvre le vortex. Là aussi, il y avait une notion de résonance, quoi. Un vortex familier apparaît. Je serre fermement, Raph. Hors de question qu'on soit séparés. Hein. J'espère qu'on va arriver à Lilcon aussi. Et après, j'en fasse aussi pas mal avec Sylus, mais pas pour son côté... C'est moins moi dans la personnalité, mais c'est juste pour son charisme, je pense. Raphaël, c'est moi, genre. Bon, du coup, je saute, parce que je le tiens bien. Après, je dirais que j'ai un peu ces deux faces, là. Par moments, je ressens ce côté un peu archétype du guerrier qu'il a, lui. En moi, je me trouve cette vibes souvent quand même. Merci Ravona pour le reset, merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable. Donc ouais. Non, pas déconnant, j'avoue. Ouais, je me dis souvent ça, que je suis grave une guerrière, je suis grave badass en vrai. Ouais, je suis une drama queen guerrière. Non, mais disons que j'ai mes deux faces, quoi. Est-ce que je soulève des sacs à patates? Bah, en vrai, oui, à une main, pareil, l'enfant, oui, tout le temps, oui. À une main, pareil. Ouah, regarde mes muscles aussi après. Avant que je ne le réalise, je me retrouve à regarder la fresque avec ce magnifique danseur. Elle est là, elle bouge gracieusement dans sa tenue, comme si elle n'était jamais partie. C'est vrai, je suis une vraie maman avec mes amis, je suis love de Zane. Mais c'est ça en fait. Raphaël, est-ce qu'il est toujours là? Ouf! Oh non, t'as pas gardé ta tenue sexy. J'essaye de regarder Raphaël pour voir s'il est à côté de moi, les bras croisés. Il me regarde de plus près. Doesn't it feel like we slipped through the sands of time? Est-ce que ça donne pas l'impression qu'on a glissé à travers les sables du temps? Oh si, d'une façon sympa. Surtout quand j'étais à côté de toi, quoi. Il tourne sa tête et il regarde la fresque. Ta silhouette qui sur contouré par la douce lumière contre le mur en pierre, projette une ombre qui se mélange avec les nuages peints autour du danseur. C'est presque comme s'il faisait partie de cette fresque murale ancienne. Alors que je suis captivée par cette scène. Il reste perdu dans ses propres pensées. I wonder if this mural we're admiring is truly the artist's original masterpiece from that era. Qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi je... Est-ce que mon téléphone a rendu là? Pourquoi j'ai vu flou? Je me demande si cette fresque que nous admirons est vraiment l'œuvre de l'artiste originel de cette époque. Alors que Raphaël parle, il marche de l'autre côté du mur. Et dans un clin d'œil, il disparaît. Comme s'il l'avait fusionné avec l'éternité lui-même. Hein? Quoi? Non. Il vient pas de repasser dans le mur quand même. J'accélère mes pas pour essayer d'attraper l'ombre floue dans la fresque. Why are you in a rush? I'm here. Oh mon dieu, mais quel cauchemar! J'ai cru qu'il était passé à travers.
Oh non, non, je me suis inquiétée là, j'ai cru que tu disparaissais à nouveau. T'es sûre? Est-ce que tu es bien là avec nous? Il faut que je le touche. Excusez-moi là, j'ai des alus. All vehicles are at the airport to drop people off, you know. So within a 50-mile radius, you won't find anything. Not even a dirt bike. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends Looks rien. Like... Que... Ouais, attends, mais j'ai fait un rêve. Est-ce que... Attendez, il vient bien de se passer ce qui s'est passé. J'ai pas halluciné devant la fresque quand même. Tous les véhicules sont à l'aéroport pour larguer les gens, tu sais. Donc même à 50 pieds là-haut, tu ne vas rien trouver, pas même un vélo sale. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi je comprends rien? On dirait que je suis dans un endroit délicat, je ne peux pas m'échapper même si j'ai des ailes. Nager est ma seule option. Il me raconte ton cauchemar ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? I'm in a bit of a tough spot. I can't escape even if I had wings. Swimming's my only option. Attends, tu me parles toujours de l'avion? Je suis confuse. Regarde l'étendue de sable dehors du désert, genre. Unless the sand turns into seawater, I might find myself stranded in this desert. À moins que ce sable se change en eau, je pourrais me retrouver bloqué dans ce désert. Peut-être qu'une gentille âme pourrait te sauver à nouveau. Il sourit, il prend ma main et il me conduit plus profondément dans la grotte. Then should I thank her in advance? Alors est-ce que je pourrais la remercier en avance? Oh mon dieu, pendant un moment j'étais déconnectée moi. Qu'est-ce que c'est? Mon cerveau malade. Ouais la vache, attends. À quelle heure on a commencé l'histoire? Mais bon, je sais, j'ai pas mal digressé, je vous l'accorde. Mais l'histoire était 100 fois plus longue que Into the Canva qu'on a fait la semaine dernière, hein. Arbitrage vidéo. Ne partez pas. Je vais aller voir le Kindle directement. Ah, attends. Il récompense quand même, hein. Largement plus long, il est meilleur. Ah bah, le... Bah, plus pas ici aussi, hein. Are you doing it because you want to, or because you don't have a choice? Est-ce que tu fais ça parce que tu veux ou parce que tu n'as pas le choix? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Attendez, il a changé depuis ce voyage à travers le mur, je ne le reconnais plus. Kindle! Ah, c'est vrai que j'ai ça et du souci. Lol. Oh! Mais quand il nous lèche le bras. Non, mais maman. Mais j'avoue, on n'a pas mangé de raisin. Why are you? Je me lasse pas. Rendons ça convaincant. Boum. Oh, this intense. Ouais, je sais. Tell me, should I be a good, honest boy, or should I play hard to get? Oh, par contre, ça c'est pour ma patre. C'est vraiment un renard, hein. Come dawn. New whispers will fill the air. Ah, je pensais qu'il tenait un peu en équilibre grâce à ses super abdominaux, mais il y a le coussin derrière. Oh, mais par contre tiens. Oh, il y a une fraise aussi. I'm a fox now. C'est bien. Out of all the things aussi. I expected, that wasn't one of them. Tu veux pas une fraise? Eh, hey, j'ai vu une fraise dans le plat de raisin là. Like this. Tiens, moche. Mais on s'y prend si mal. You're so demanding. All right, I'll make sure not a single drop goes to waste. Mais qui mange des raisins comme ça? Since Your Highness wants to spice things up,
I'll do my best to satisfy your every need. Non mais... Quoi? Non mais ça, je ne m'en remets pas. Oh my god! Can't take it anymore. It's so far away. I can't get it. Your Highness, could you? Comment? J'ai de ma prise. C'est vrai qu'on aimerait bien être un raisin dans ces moments. Se changer en raisin. Là, j'écrase le raisin, non? Non? Il y a pas un monde où j'écrase le raisin là actuellement. Je vais faire du jus. Ça va juter. Alors, où est tombé ce raisin? Pas là. I think you need to go a little lower. Un peu plus bas. Le raisin va bien. Aucun raisin n'a été maltraité. Oh my god. Alors c'est ici. Oh mais je le chatouille à moitié en plus. Wanna keep looking? Mais il est tout sale, il faut le... Ah! Forget the fruit. Can't you compensate me another way? Le Kindle, c'est bien pour la rejouabilité, je trouve. Oh my. Elle est très bien cette carte. Voilà. On regrette pas d'être venu. Non, le Kindle, c'est... Mais par contre, je suis très frustrée de cette trace de raisin là qui lui reste sur le corps. J'ai très envie d'y passer la langue. Tout pareil. Ça me fume. Je crois que c'est fait exprès. Hein. Trop bien. Voilà. Ben, c'était Raph. Oh, je vous avais dit qu'on mangerait du raisin ce soir. Et franchement, on a bien mangé, je trouve. Très, très bien. Qu'est-ce qu'il me dit, mon event, là? Ah bah oui. Tout ça que je dois ramasser, tu m'étonnes. Alors moi, personnellement, dans l'event... On en est où, là? Dans 20 tirages, j'ai 5 tickets offerts. Ça m'intéresse pas trop, en vrai, dans l'absolu. Moi, je vais plus faire de tirages dans le pool. Parce que j'irai... J'irai pas chercher jusqu'au 200. J'irai pas faire 70 tirages encore. 70 tirages, je suis garantie d'avoir une autre 5 étoiles. Ouais, mais non, je préfère économiser en vrai. Girafe et Sylou, c'est pas mal déjà. Hein. J'ai fait 2 hard pity quasiment, donc bon. Je trouve que c'est largement assez tirage. Économisons pour la suite des hostilités. Ah, mais heureusement, ils nous ont offert 30 tickets aujourd'hui, hein. Ah oui, mais j'ai fait 10 de plus pour avoir la tenue aussi, j'avoue. Fais voir! On n'a pas regardé. Bien. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, mais... Cette veste-là, vous aviez remarqué, il y avait cette étiquette moche. Je trouve que ça nique un peu la tenue. Mais enfin. Ah, voilà. Oh, vas-y, enlève-moi les lunettes, ça va pas du tout avec.
Ah, je regrette pas de lui avoir pris la tenue, hein. Non, mais limite, du coup, ils ont trop gonflé les bras pour... Genre, ils ont pas... C'est que avec cette tenue. J'ai les deux autres, si tu veux un compte pour les jouer, de les regarder sur YouTube. Ah non, mais moi, ça me dérange pas du tout de regarder sur YouTube, hein. Jusqu'à présent, c'est comme ça que je faisais pour les cartes que j'avais pas, et c'est suffisant, hein. Parfois même les filles elles ont la tablette du coup et on peut avoir les cartes en plus grand format que ce que je fais. En vrai, bon, il faudrait que je mette le jeu sur la tablette mais... Comment ça j'ai volé des oranges? C'est très moulant j'avoue. J'ai hâte de voir sa carte aussi. Mais celle-là du coup... Parce que vu le temps qu'on a mis à faire celle de Raph, si admettons je veux faire Sylus, bah on va pas la faire ce soir, tu vois. Mais si je veux. Si je veux la faire jeudi, c'est mort, tu vois. On n'aura pas le temps de faire le mythe de Zayn avant lundi. Non, mais et la semaine prochaine, je crois que ça va juste être full love on the space, hein, parce que. Il faut qu'on fasse les cartes de l'événement pendant la durée de l'événement, sinon c'est pas rigolo. Et il y a les side stories aussi. Parce que là, ce que je fais, c'est que j'ai lu les chapitres, mais sans les lire. Parce que du coup, comme je les refais en live pour vous, pour pas les pour garder une trace quelque part, là, je les ai même pas lus. Donc, on a 4 side stories. On va installer un eye tracker juste pour jouer à Love and Space. Ouais, parce que semaine prochaine, je crois que toutes les side stories seront accessibles. Et je repense au dernier événement, peut-être que là c'est un peu plus court, je sais pas, mais celle de cet été là, pendant le Mist Invasion, au final il y avait à peu près 5 chapitres aussi. Et c'était dur de faire plus de love, de 2 love interest par soir, parce que mine de rien, les histoires étaient assez longues aussi et intéressantes. Et puis ben, je traduis, et puis on digresse, et puis ceci et puis cela, donc. Ça pouvait facilement nous faire une soirée, quoi. Donc, potentiellement, oui, semaine prochaine, on sera juste sur une thématique Love and Space, quoi. Ouais, bah, écoutez... On assume, hein. Au pire, les deux cartes que j'ai pas, donc Xavier et Zayn, on pourra les faire a posteriori, quand on manquera un peu de contenu, etc., quoi. Mais vu que j'ai eu la carte de Sylus, autant essayer de la faire pendant la période de l'événement quand même. Hein. Moi ça me va, hein. Mais allez, quoi, il faut ce qu'il faut. Hein. Le premier chapitre est assez long déjà, oui. Bah ouais. Après on va pas se plaindre d'avoir du content, hein, étant donné qu'en plus bah, c'est forcément des histoires. Mais j'ai bien aimé l'histoire, mais c'est vrai que ça fait bizarre qu'on bascule dans une réalité alternative. Ça vient confirmer toutes les réalités alternatives, par contre, potentielles. Hein. Est-ce que c'est fait exprès? Sûrement. Avant la sortie de Dawnbreaker. Est-ce que ça veut dire que du coup, si on a vraiment ces réalités alternatives, on va pouvoir aller faire des trucs avec les versions des autres? Take a deep breath. The air at night is more refreshing than daytime. En tout cas, on peut se préparer à des aventures pas fictives, mais dans des réalités alternatives et dans d'autres contextes, etc. quoi. En tout cas, je le trouve super sympa cet événement. Histoire, bataille, super compliqué. Mais ouais, même le mini-jeu est sympa en vrai. Bah non, bah moi je suis pas déçue. Après là, bon, cet event me coûte cher en cristaux quand même. Mais ma foi, on a passé un bon moment. Hein.